Là, je suis en train de lire un chapitre d'un livre qui parle du développement cognitif de l'enfant, qui est une théorie de Piaget. Et c'est un livre que j'ai beaucoup utilisé dans ma formation, puisque je suis enseignante, et que j'ai eu besoin, et que j'ai encore besoin, et que j'avais demandé à la BBR de me le transcrire en braille pour y avoir accès. Quand on a une demande comme ça, ils nous fournissent, eux, l'ouvrage. Et ensuite, quand on le reçoit, on va d'abord le scanner. Donc on doit découper la tranche, on le passe au scanner pour en avoir une version informatique. Après le scannage, on va donc faire deux lectures, puis un travail sur un logiciel de transcription braille qui nous permettra au final de transmettre un fichier fini pour impression. Et le résultat, au final, sera un ouvrage en braille. Moi, j'aime spécialement lire pour mes loisirs. Donc là, je fais une grande consommation de livres pour pouvoir voyager sans bouger. Maintenant, j'ai coupé les tomates. Donc, alors là, ils disent deux oignons coupés fins. On va faire un seul. Et je vais tenter de faire une recette qui est de la soupe de tomates. Je l'ai trouvée dans un livre qu'on trouve à la BBR à Genève. Nous nous trouvons ici dans les rayons du service du prêt, où atterrissent tous les ouvrages qui ont été faits par la transcription. Et j'ai par exemple ici dans les mains un ouvrage de recette qui a été produit avec la collaboration de chefs cuisiniers de Genève. Une gousse d'ail écrasée. Comme il y a assez peu de livres de recettes de cuisine, disons en braille, il faut toujours sauter sur l'occasion pour faire des recettes. Dans nos rayons, nous avons aussi bien des ouvrages qui ont été produits de notre propre initiative que des ouvrages faits à la demande de nos abonnés. Moi, j'aime bien découvrir des nouvelles choses et faire découvrir. Aux abords immédiats de la résidence Parker, on avait établi des cordons de police qui filtraient les curieux. Je suis en train de vous lire un livre de Charles Braillat, un roman policier, mais avec beaucoup d'humour. Ça fait exactement 76 ans que je prends des livres à la bibliothèque. J'en suis enchantée. En arrivant, Lycock dut s'arrêter, mais il fut tout de suite reconnu et salué. Je suis en train de lire un livre d'ex-Braillat qui s'appelle « Chianti et Coca-Cola » dans un studio du Bien des Aveugles à Genève. La quasi-totalité de nos ouvrages sont lus par des bénévoles qui viennent soit dans nos studios, soit qui lisent à domicile et qui commencent leur bénévolat une fois qu'ils ont passé un essai de voix. J'ai commencé à faire de la lecture bénévole depuis 1978, par amour de la littérature. Le plus important dans la lecture, c'est de bien se rendre compte qu'il s'agit de transmettre par sa propre voix la voix d'un auteur. La bibliothèque Braille et Livres parlés de Genève n'a que des ouvrages en français. Et puis, on fait spécifiquement des choses à la demande des abonnés. Le choix à la bibliothèque est énorme. On passe de livres très très sérieux à des livres très drôles. Et ils ne sont pas restrictifs pour absolument rien du tout. Lorsqu'il fallut descendre pour monter le perron de la maison, Tarquinini regretta amèrement d'avoir quitté Vérone.